si, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Je vous dis toujours, concentrez-vous sur vous. Elles vont venir seules. C'est pas femme qui, c'est pas garçon qui choisit femme. C'est femme qui choisit garçon. C'est femme qui choisit garçon. C'est femme qui choisit garçon. Comprenez. Toi, tout ton travail, c'est d'être un bon choix. Les gars, c'est comment les gars, faut que vous vous concentrez, faut que vous vous concentrez en fait, il faut que vous arrêtez d'être des forceurs, à cause de Dieu, arrêtez d'être des forceurs, en fait là, tu peux pas forcer une petite à être fond de toi, tu peux pas forcer une petite à faire ce que tu veux. Tu peux pas forcer une petite à t'apprécier. Non, faut que l'intérêt soit en fait, comment on dit ça, faut que l'intérêt soit mutuel. Faut qu'elle t'apprécie d'elle-même. Voilà, pour ça je dis que genre, on se prouve pas à une go. Parce que une go peut te voir et puis elle va t'apprécier en même temps. Une go peut te voir et puis elle va te trouver jolie en même temps. Une go peut avoir l'habitude d'être dans ton entourage et puis elle va trouver que, ah, lui, sa manière de se comporter, sa manière d'agir me plaît, il me plaît bien. Pour ça que ça vient d'elle-même, c'est spontané. Ça vient pas en fait de toi qui essaie de lui plaire en lui achetant des cadeaux, qui essaie de lui plaire en faisant ci ou ça. Là, moi, il y a l'impression que c'est comme si tu vas acheter en fait son amour, tu vas acheter son appréciation. Je vois des gars, là où elle te donne son numéro. Une fois que tu te donnes son numéro même, c'est rien dit même. Voilà, ça veut rien dire. C'est quand vous allez commencer à parler que tu vas savoir s'il y a quelque chose. Une fois tu vas lui envoyer un message, comment ça va Andrea? Elle va te dire, oui ça va. Il n'y a pas de et toi. Même si tu viens de prendre son numéro aujourd'hui, c'est fini. Même si tu viens de prendre son numéro il y a 5 minutes, c'est fini. Il n'y a pas de. Il n'y a rien à ajouter. Tu lui demandes ça va. Elle te dit oui, ça va. Tu veux faire quoi? Tu as bien dormi. Tu lui demandes quoi? Elle va te dire oui. Ça ne peut pas avancer. Ça te montre déjà que l'intérêt n'est pas mutuel. Je vous fais comprendre quelque chose, hein, les gars. Une go te dit. Tu lui dis ça va. Elle dit oui, on cause plus. Les gens disent que non, je suis dû. Même mes soeurs disent, je suis dû. Mais en fait là, qu'est-ce que vous voulez que je dise à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi en fait? Parce que c'est pire, je m'intéresse à toi, que je te demande si ça va. Tu me dis oui. Genre, tu n'as rien à foutre de moi. Je ne vais pas forcer. Je ne vais pas forcer. Et puis, en fait, après, elles sont fâchées parce qu'en fait, tu n'as pas appliqué plus de pression. Donc, en fait, tu sais quoi? Tu me veux, mais tu veux faire semblant quoi? Tout le monde sait faire semblant. Voilà, les gars. Ce que vous faites comprendre aussi, apprenez à faire semblant aussi. Souvent, tu es intéressé par la go, mais il faut faire semblant. Voilà. Pensez comme les go. Pensez comme les go, agissez comme des hommes. Voilà. Parce que les go, là, savent ce qu'il faut. Quand vous dites, elles savent ce qu'il faut. Elles savent ce qu'elles font. Elles savent très bien ce qu'elles font. On ne force pas l'intérêt d'une go. On ne force pas l'intérêt d'une go. Pour ça que je vous dis, en fait, travaillez sur vous. Quand tu travailles sur toi, elle sera fond. Elle sera fond. Quand les go ne sont pas intéressés, elles rendent tout difficile pour vous. Je répète encore. Quand une go n'est pas intéressée, c'est là c'est difficile. Il n'y a aucune clé magique qui va faire qu'elle va t'aimer plus. Il n'y a pas de formule. Il n'y a aucune formule. C'est PN n'est pas fond. Toi, tu n'es pas censé te soucier de ça. Tu es censé te dire que, ah, elle ne m'a pas apprécié. Bon, pas les couilles, on va ailleurs. C'est comme ça, un esprit d'abondance. Un esprit d'abondance, je vous répète ça, un esprit d'abondance. On ne force pas. Quand tu forces, tu l'énerves. Je vous jure que quand tu forces, là, tu l'énerves.
Vous voyez pas les screens des go là où elle se moque des morgots dans les statuts WhatsApp là. On est tous passés. C'est par vous, là. Votre forcing là, c'est ça qu'ils prennent pour mettre ton statut pour rigoler en fait. Les gars, arrêtez de forcer. On force pas. Je m'en fous de comment tu apprécies la go. Elle t'apprécie pas, tu peux pas forcer. Tu as acheté les fleurs. Si elle est gentille, elle va pas prendre. Mais là, d'autres là, elles vont prendre tes fleurs. Elles vont partir d'abattre au restaurant. Elles vont partir faire tout ce que tu veux qui va leur bénéficier. Et puis tu vas rien avoir. Tu as perdu du temps. Tu as perdu l'argent. Tu n'as ajouté aucune valeur à ta life. Les gars là même à moi je suis de leur côté passé. Là. Si tu es bête là, c'est pas elle qui a te rendu intelligent. Voilà. Mes petites, continue à jouer eux. Quand ils vont comprendre là, hein? Quand ils vont comprendre là, ça allait mieux. Parce que si tu es bête là, c'est pas le. Tu es un homme, tu es censé être intelligent, comprendre, cultiver ton intelligence émotionnelle. Si tu es bête là, c'est pas elle qui va t'apprendre à être intelligent. Voilà. C'est pas elle qui va t'apprendre à être intelligent. Il faut comprendre. Si tu n'as jamais dealé avec des gars qui étaient intéressés par toi, c'est là ce genre de choses peuvent t'arriver en fait. Parce que si tu as là un truc, dealé avec des gars qui étaient intéressés par toi. Quand une go n'est pas intéressée dès les premières interactions, tu comprends que elle n'est pas intéressée. Même si tu forces, peut-être tu vas prendre l'argent pour la blaguer, mais même si tu prends l'argent pour la blaguer, si tu n'as plus d'argent, elle s'en va. Et puis même si tu as l'argent, tu vas sentir dans la relation que c'est pas mutuel. Et puis quand c'est pas mutuel, tu seras pas content, tu seras pas à l'aise. Je vous dis la gueule, les gars. Je vous dis la gueule, on force pas. Arrêtez de forcer. Il faut que les trucs viennent naturellement. Il faut que ça soit naturel. Il faut que tu sois élégant. Il faut que tu sois frais. Il faut que tu sois propre sur toi pour que l'intérêt vienne naturellement. Et puis même si tu as tout ça, il y a des gros qui vont juste pas t'aimer. Tu n'es pas leur genre. Tu n'es pas leur type. Tu n'es pas obligé de te vexer. Elle n'est pas obligée de t'aimer. Tu n'es pas obligé de t'en soucier. Elle n'est pas obligée de t'aimer. Tu n'es pas obligé de t'en soucier. Tout ce que tu dois avoir en tête, c'est comment m'améliorer. Tout ce que tu dois avoir en tête, comment dealer avec des personnes qui m'apprécient pour de vrai. Des personnes autour desquelles je ne vais pas forcer l'intérêt, en fait. Voilà, on ne force pas l'intérêt des gens. Même avec tes amis garçons, il y a des gens qui ne veulent pas dealer avec toi, il y a des gens qui ne veulent pas fucker toi. On ne force pas l'amitié. On ne force rien du tout. Tout ce qui est naturel, tout ce qui doit venir naturellement est encore plus. C'est chic. C'est chic, c'est intéressant, voilà, c'est intéressant. Quand c'est naturel, c'est bon, tu te sens à l'aise, tout est bon dedans. Mais quand tu forces là, après toi-même, c'est comme on dit les gars qui font genre, il va aller faire médicaments pour attacher la go. Mais je trouve que c'est bête en fait. Parce que tu es avec quelqu'un que tu sais que la personne n'est pas fin, que c'est ton jutsu qui fait qu'elle est toi. Donc tu sois un jutsu en fait. On force rien. On force rien. Les gars, comprenez le game. Comprenez le jeu. Le jeu, c'est pour vous améliorer. C'est pour améliorer votre vie. C'est pour améliorer vos relations avec les gars. Voilà. Et puis là, les gars là sont pas là pour vous rendre intelligent. Voilà. Les gars là sont pas là pour vous rendre intelligent. Vous êtes censé être intelligent. Si la go, elle va pas te dire, mais elle va te répondre bizarrement. Mais c'est une manière de te dire. Il faut que tu lises entre les lignes. Dans la vie, c'est pas tout on dit. 85% de la communication est non-verbale. Voilà. Si elle t'a pas dit, son comportement va te montrer. Les gars, comprenez, on force pas. Tu forces, tu l'énerves encore plus. Tu forces, tu l'énerves encore plus. Tu forces, tu l'énerves encore plus. Voilà, arrête de forcer, cousin. Arrête de forcer. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Je vous dis toujours, concentrez-vous sur vous. Elles vont venir seules. C'est pas femme qui. C'est pas garçon qui choisit femme. C'est femme qui choisit garçon. C'est femme qui choisit garçon. C'est femme qui choisit garçon. Comprenez. Toi, tout ton travail, c'est d'être un bon choix. Voilà. Être un bon choix. Travaille pour être un bon choix. Travaille pour être le meilleur choix. Travaille pour être le premier. C'est tout. Sinon, le reste, forcé. Ça va rien créer. Ça va rien créer. Elle va partir manger. Toi, si c'est ce que tu veux, mais tu vas pas la sonner. Voilà. Les petits go, profitez d'eux. S'ils veulent pas, profitez d'eux. Y'a feuille, c'était moi, les gars. Donc.